Bonjour Antoine. Bonjour. Nous sommes chez Canard du Chêne. Canard du Chêne que vous pouvez très régulièrement retrouver au Centre d'Embouillet, mais également à Chambord. Alors pourquoi est-ce que Canard du Chêne a souhaité se rapprocher du milieu de la chasse? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de Canard du Chêne? Alors Canard du Chêne est une maison champenoise, donc on fait du champagne depuis 1868 à Reims, en tout cas à Lude, dans le village situé sur la montagne de Reims, la montagne entre Reims et Épernay. D'accord. Donc on fait du champagne là-bas depuis des générations. C'est une maison qui est familiale toujours et qui aujourd'hui a souhaité s'axer vers le monde de la chasse et de la nature au sens large, notamment par son implantation géographique. Nous sommes la seule maison dans la montagne de Reims, au cœur du vignoble, au cœur des pinots noirs, et nous avons depuis maintenant 3 ans décidé de nous rapprocher de nos amis chasseurs pour plusieurs raisons. Oui. Les chasseurs sont des épicuriens en général qui aiment les bonnes choses, à savoir entre guillemets la bonne bouffe et les bons vins. Donc nous on propose toute une gamme de produits qui s'allient parfaitement avec les plaisirs des chasseurs. D'accord. Donc naturellement on s'est rapproché du milieu de la chasse à travers 2 grands partenariats ici au salon de Rambouillet, également comme tu l'as évoqué, au salon de Chambord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différents millésimes que vous proposez? Oui, tout à fait. Alors, on a 4 cuvées qu'on propose à la dégustation ici au salon de Rambouillet. On a la cuvée Léonie, qui est une cuvée à base de pinot noir qu'on retrouve uniquement dans la restauration et chez les cavistes. Ces 4 cuvées, d'ailleurs, sont uniquement dédiées au circuit de la restauration, qui pour nous est un axe de développement prioritaire. Donc vous avez la cuvée donc Léonie Brut, un assemblage majoritairement pinot noir. La cuvée Léonie Rosé, qui est l'équivalent du Brut en rosé, notamment pour les femmes qui plébiscitent particulièrement le rosé. D'accord. Ensuite, nous avons une nouveauté sur le salon, la cuvée Léonie Green, qui, comme son nom l'indique, est une cuvée bio. Nous sommes l'une des rares maisons de champagne à avoir développé une partie de notre vignoble en agriculture biologique, certifiée EcoCert AB. Et nous proposons cette cuvée à la dégustation, qui est vraiment une cuvée sur la fraîcheur et sur le fruit. Et enfin, nous proposons une grande cuvée, la grande cuvée Charles VII, en blanc de noir, c'est-à-dire en 100% pinot noir. Étant donné que nous sommes situés au cœur de la montagne de Reims, au cœur des pinots noirs, nous avons dédié une cuvée. Une très belle cuvée de pinot noir, plus sur la vinosité et sur la complexité. Alors, les chasseurs qui se rendent au salon de Rambouillet et sur Bord, j'imagine, attendent ce rendez-vous et se retrouvent très régulièrement chez Canard du Chêne. En revanche, au cours de l'année, comment est-ce que des chasseurs peuvent vous contacter pour pouvoir commander? Est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce qu'ils vous contactent par Internet? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, Canard du Chêne est une marque qu'on appelle aujourd'hui multicanal, c'est-à-dire que nous sommes présents dans l'ensemble des circuits de distribution, à savoir les cavistes, la restauration, la grande distribution et également en vente directe sur notre site. Vous pouvez venir nous visiter, nous rendre visite en Champagne où on accueille environ 10 à 15 000 visiteurs dans nos caves chaque année. D'accord. À savoir, vous viendrez visiter à la fois le parc, le vignoble et également les caves. Il y a D'accord. une très belle visite à faire. Ouais. Et ensuite, on peut nous trouver à peu près partout. On a une distribution assez importante à la fois en France et à l'export. Très bien. Bon, et bien écoutez, pour tous ceux qui ont envie de déguster des bonnes bulles, rendez-vous à Chambord et puis sinon, rendez-vous directement à Reims. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.